Aujourd'hui, j'ai réuni 50 candidats pour faire un Fall Guys dans la vraie vie. C'est parti ! Ils vont devoir s'affronter sur 5 épreuves mythiques de Fall Guys. Il va y avoir des éliminés sur cette épreuve, c'est moi qui vous le dis. Tu filmes bien mon boule, hein, tu le mets en valeur, hein, s'il te plaît. Plus de dynamisme ! Je me suis déglingué avec la poutre. C'est que ça la stratégie. À l'issue de la compétition, seul un d'entre eux remportera la victoire et la somme de 10 000 euros. J'ai hâte, je suis là pour la victoire, je te le dis. C'est archi bon. Ouais, je me prends un cul dans la tronche. Ouais, c'est bon, je me fais engueuler, wesh. Tu peux faire, bien joué, frérot. Oh là 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 là. Eh, mais c'est des malades. Bonne chance à tous. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fall Guys dans la vraie vie. Pour cette vidéo, il y a un maximum de monde qui est venu. Wesh! Mais les gars! Ah, ils ont tué ce survêt, hein! Celui d'entre vous qui gagne, il me rachète une tenue. Eh, je savais pas que j'avais invité un groupe de rugbyman. Bon, la vidéo commence bien, les frères. Vous avez vu, pour la vidéo d'aujourd'hui, on est avec 50 participants. Il y a des abonnés, mais pas que, mon frérot. Ça va ou quoi? Frérot, merci d'être là. Ça, je vais. Ça fait plaisir. J'ai aussi ramené des potos, évidemment. Il y a Domingo, le numéro 50. À suivre. T'es le dernier. Je voulais être plaqué, tout le monde s'en est chargé, honnêtement. J'ai rien eu à faire. Ah, trop bien, ça va être incroyable, j'ai hâte, je suis là pour la victoire. Toi, t'as pas encore vu les épreuves. Oh là là. Oh, c'est annoncé. Non mais les gars, applaudissez pas, c'est votre concurrent. Sachez que ça va être chaud. Mais je vois que tout le monde a une bonne condition physique là. Il y a mon gars Timout. Frérot, toujours là. Bon, toi, la condition physique un peu moins. Mais voilà, merci d'être là et de participer. David Lafarge. Frérot, j'espère que t'es prêt. Mais attends, mais je vois que t'as mis le petit t-shirt. Il a mis le t-shirt David Lafarge de la vidéo, rappelez-vous, la vidéo affrontement 5. Qui était l'homme du match? Tu nous avais impressionné. Tu nous avais impressionné. Je pense que tu peux être bon aujourd'hui. Dinor, frérot, c'est comment? Oh là là. Eh hey, les gars, là il y a un vrai concurrent. Dinor. Les frères, Dinor. Je pense que vous connaissez, rappeur, footballeur, il fait tout. Toi, t'es chaud, toi. Parle pas avec moi, je suis là pour gagner. Sachez juste qu'il est arrivé avant moi. Je suis arrivé, je suis allé dire bonjour à tout le monde. Il était en train de pioncer. Et lui, il a pas compris. Il a pas compris. Frérot, mon ref. Slide, frérot. C'est comment, Slide? Tu m'as dit de venir avec un skin. Attends, frère. Ah ouais, mais toi, t'as vu Fall Guys dans la vraie vie, tu t'es mis vraiment dans le bain. Bah, c'était sur le message, hein. Tu m'as dit, viens avec un skin, tout le monde sera déguisé. Ah ouais, petit costume d'alien, ça va, c'est sympa. Bon, Slide, condition physique, c'est comment? Ça va, en vrai, ça va, mais pas de fou. Et tu peux pas sortir première épreuve? Ouais, c'est tout. Je pense que tu peux sortir première épreuve. Et les gars, il y a Katsum qui est là aussi. Ouais. Incroyable. Ouais. Pourquoi Katsum a un accueil comme ça? Moi j'ai pas eu le même accueil, moi on m'a mis par terre. Katsum, merci d'être là. Bah, tu penses c'est comment toi? Moi j'ai le GP dans les places, j'en peux plus. Ah ouais, j'avoue, tu ressens. Morte là, j'ai pas dormi cette nuit, mais on va tout donner. Le même Domingo. Ouais, Domingo aussi. On va donner ce qui reste. Les amis, j'espère que tout le monde est prêt derrière. On va pas perdre plus de temps et on est parti directement pour la première épreuve. Ouais. Oh là 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 là! Il va y avoir des éliminés sur cette épreuve, c'est moi qui vous le dis. La première épreuve s'appelle la X-Parade. L'objectif est de contourner et de franchir les obstacles à travers un parcours qui risque de pousser les candidats dans leur dernier retranchement. Ils sont 50 participants et à la fin de cette épreuve, ils ne seront plus que 38. Il y aura donc 12 éliminés sur cette épreuve. Les amis, est-ce que vous êtes chauds? Eh les gars, sachez que je suis stressé pour cette épreuve, je crois plus que vous. Parce que là, vous vous rendez pas compte, ça va être intense. Mais je suis détente. Y a aucun enjeu. Aucun stress. La première épreuve, ça va être la course. Il va falloir se battre. J'imagine que vous avez tous envie de gagner. Ouais. Ah, qui
ici a envie de perdre? Oh, le silence! Oh, le silence! Les gars, sachez que moi, je participe pas pour l'épreuve. J'aurais kiffé sa mère participer parce que la course est incroyable. Le numéro 4, t'es prêt? Il est plus que prêt. Toi, t'es prêt? Première épreuve, je suis premier. Première épreuve. Numéro 4, là. J'ai du mal à y croire. Les gars, moi, je dis, le numéro 4, il sort première épreuve. Voilà. On se retrouve dans la deuxième épreuve. Je le protège. En général, ce que je dis, ça se passe pas. Donc là, normalement, je viens de lui porter chance. Quelqu'un a des questions? Pas de questions, mon pote, pas de questions. Eh ben, les gars, je vais me mettre en position. Je compte sur vous avant que ça commence pour mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Je veux qu'on défonce ce record de pouces bleus. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes plus de 8 millions. C'est incroyable. Merci infiniment l'équipe. Et j'espère que je vais vous régaler avec cette vidéo. J'ai envie de pisser, mais c'est une dinguerie. Je vais me pisser dessus, je crois. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! À mon go, vous partez! Oh, ça a poussé. Oh, bordel de merde. C'est parti, Timoth. Timoth, reviens. Allez, les gars. Plus de dynamisme. Pas de sœur, Slay. C'est une course, wesh. Oh, des pneus, ça. Ils sont marrants, ça. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Plus vite. Ouais, c'est bon, je me fais engueuler. Bon bah, on perd 4 sub et slide sur cette première épreuve. Moi, je vous le dis, les frères. Allez, David, hein. Donne tout, David. Oui. Regarde, roulade. On va à l'arrivée. Je veux pas louper le premier qui arrive. Ouh, oh putain, oh putain. Oh, on va rester à quatre pattes. Hein. Oh, c'est dangereux. Attends. Oh, c'est mort. C'est archi mort. Les gars, c'est baisé. On se met devant l'arrivée. Je veux pas louper le premier qui arrive. Oh mon dieu. Mon boule est en valeur. Il n'y a pas de calme quand même, mon boule en valeur, comme par hasard. C'est ça. C'est pas possible. Oh, je vois déjà quelqu'un qui arrive. Non mais attends, mais en même pas une minute. Oh là 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 là. Le numéro 24. Jésus. C'est bien. On se fiche. Vas-y, t'inquiète, ça passe. Incroyable. Le numéro 16, deuxième, mais wesh. Mais attends, mais frérot, ils ont le tank tout ouvert. Allez, on pousse. Ah, j'ai déglingué avec la poutre. Le numéro 23, t'es troisième, mon ref. Oh là 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 là. Frérot, ça va? Timoth. Timoth. Mon gars, t'es... Domingo. Ouais, c'est facile. Allez, bon. Il est là. Oh là 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 là, il y a tout le monde qui arrive. Les frères s'enchaînent. Mais attends, mais ils ont été monstrueux. Frère, je conduis une F4, mais je galère à monter des échelles. Bien joué, les gars. Le numéro 27, numéro 10, numéro 3. Numéro 60. Les frères, comment ça, t'es numéro 60? Le goat, mec. On n'est même pas 60. Le goat. David.
David, les gars, qu'est-ce qui t'arrive, frère? Moi, je suis pas éliminé. Je sais pas, je te jure. Je dois t'avouer que je sais même pas. Je supplie, quoi. C'est incroyable, Fred. J'ai jamais joué à Fall Guys. C'est la première partie de Fall Guys, vous savez ça? Fun fact. Allez! Entre dynamite, c'est la fin, bien joué! Allez! Oh là 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 là! Vous avez terminé la course, GG! Vas-y, Sly! Eh, je vous aime bien, mais je suis. On l'avait dit, hein. On l'avait dit, hein, les deux derniers. Hein. Let's go! Ah! 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 C'est le caméraman que j'aime bien! Coucou! Alors, tu filmes bien mon boule, hein, tu le mets en valeur, hein, s'il te plaît. Hein. Non, mais il s'est passé quoi? On a joué au papier ciseaux. En fait, on est tombé dès le début. Ah non! Mais oui, mais j'ai pas compris. Je vous ai vu partir, vous étiez en discussion. Je faisais mon lacet. Quoi? C'est déjà fini? J'étais en train de crier. Ouais, mais j'ai pas entendu. Ah, mais attends. Je suis pas dernier. Oh, t'es pas dernier. Let's go. T'es pas dernier. C'est pour toi, tiens mon ref. Merci. Tiens mon ref. J'ai tout donné. T'as tout donné. Tout donné. Incroyable, mais t'es dernier. Yes. Eh, y a moyen de travailler. Une alternance, s'il te plaît. Attends, tu cherches un travail, là? Ouais. Je suis venue que pour ça, en fait. Ah ouais. C'est pour ça, l'épreuve, t'en avais rien à foutre. Non, non, j'ai tout donné. Il peut me dire, j'ai tout donné. Ouais, non, mais en vrai, je crois. Bon, on verra si on travaillera ensemble, mais. Je suis ta secrétaire. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je suis ta secrétaire. Ouais, mais c'est pas le sujet. Sly, il est venu de Nice. Ouais. Il ouais. Est comme un bâtard en train de faire bah, des. Je vais retourner. Sly, il est venu de Nice. Je vais retourner à Nice. Pour venir avec son alien de merde. Qui marche même pas. C'est ça qui marche mais même oui, pas. Mais oui, il marche même pas. On se souviendra de toi, en tout cas. Peut-être. On se souviendra de vous deux, sachez. J'espère. Les gars, sachez que je suis choqué de votre level. Je vous demande un maximum d'applaudissements pour le numéro 24. Giro, t'es monstrueux, tu t'appelles comment? Anthony. Anthony, tu fais du sport? Ouais. Beaucoup? Et ouais, beaucoup. Tu fais quoi comme sport? De l'athlétisme. Ah ouais, ah ouais. Là, les gars, ok. Bravo, t'es arrivé premier de la première épreuve. T'as pas d'avantage, mais c'est une petite victoire. Ouais, c'est cool. Hein. Non, frérot, deuxième aussi. Ouais. Non, deuxième, bravo. Merci, merci. Tu fais du sport aussi? Je suis un ancien coureur, c'est pour ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Putain, ok, on a des athlètes. Hein. Mais ça se voit, frère, regarde. Frérot, ils sont tous athlétiques, frérot. Il y a que des mecs. Ah. Et y a moi. Et toi, mon ref, t'es une putain de fraude. En vrai, attends, t'es combien? Septième. Ça va. Septième place. Hein. Ça va. Le numéro 26, les gars, à surveiller, Timothée. Le numéro 4. Frérot, je dois être honnête, je croyais pas en toi. Bah je suis là. Mec, t'es chaud. J'avoue que je sous-estime, t'as savoir. T'es 14ème, t'as quand même une belle place. Hein. Mais y'en a qu'un qui va gagner, les frères, là. Hein. Toi, tu fais du sport, toi? Ouais. Du jiu-jitsu brésilien. Du quoi? Du jiu-jitsu brésilien. Tu veux faire une démo? Ouais. Mais tu sais que moi, je suis chaud, frère. Allez. Ok, c'est bon. Oh, toi, tu vas aller loin, toi. Lui, c'est un bon concurrent. Domingo, 18ème, du coup. Ouais. Putain. Ça, c'est... Non, c'est une belle place. Des mutants, frère. C'est carrément... Je m'attendais, toi, tu sois 5ème, 6ème, normal. David, 25ème, c'est une belle place, frérot. Hein. C'est une belle place, bien joué, hein. T'es la première fille à t'être qualifiée. Tu représentes la team... Non, mais c'est important. Elle représente Girl Power. Frérot, 34ème, le numéro 60, y a pas de numéro. Ils sont même pas 60. Les gars, je vais vous expliquer le passé sombre de cette vidéo. À la base, Fall Guys, c'est 60 candidats, c'est 60 participants. Il y a eu une première épreuve que vous n'avez pas vue en vidéo. En ce moment, il y a une pénurie d'essence. Il y a des guests et des abonnés qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas trouvé d'essence. Et même moi, j'ai laissé garer ma voiture à 2h d'ici. J'ai dû prendre un Uber pour venir parce que je trouvais pas d'essence. J'avais plus d'essence dans ma voiture. On a perdu Piware. On a perdu Valouz, Bouzy qui devaient venir pour la vidéo, qui n'ont pas pu se déplacer. Et c'est pour ça qu'ils sont 50 au lieu d'être 60. Je vous confirme, il n'y a plus d'essence. Bah, pas de tournage pour moi aujourd'hui. Désolé, le Mich. 35, 36, 37, 38. Putain, t'as réussi à te qualifier, toi. Dinor, du coup, t'es là. Je suis dernier. Ah, je suis content quand même. Je meurs pour la fin. Par contre, t'es le dernier. Les frères Dinor, c'est le dernier à cette putain de qualifier. Bon, les gars, je félicite tous les participants, en tout cas. Bravo à vous. C'est vrai, bravo. Et du coup, à partir de là, malheureusement, c'est les éliminés. Bien joué.
La team. Ah ouais, mais en fait, les filles. Ouais, c'est ça. Hein. Non, non, mais là, je peux pas représenter les filles comme ça dans ma vidéo. Tu mets des barres à. Ouais. Comment tu mets des barres à 2 mètres, 1m60. C'est égal à qui nous pousse d'autres. Ouais, c'est réel. Bah, franchement, je fais la même taille que vous, donc. Ouais. Sur ça, je vous rejoins. 4 subs là, on vous perd ici, malheureusement. Numéro combien, toi? 4-1. 4-1. Tu sais, on dit toujours que les meilleurs partent en premier. Super tenue, je crois. Oh! Allez, fort. Franchement, elle a de la répartie. J'aurais bien aimé que tu restes plus longtemps. Parce que toi, t'as de la répartie. Si on me demande si j'en suis bon. Non, t'inquiète, je vais m'occuper des invités. Oh non, oh, oh, une carte. Oh, une carte là. Oh, un petit signe qui vole. Oh. Ah ouais, toi, tu veux que du travail en fait. Que du taf. 24 sur 24, c'est dur sur 7. Hein. Vas-y, après, on fera un entretien d'embauche si tu veux. Non, non, pas d'entretien. Tu m'appelles, s'il te plaît. Bon, bah, je t'appelle pas. Allez. Encore bravo à tous les qualifiés, l'équipe. Et j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez repris un peu vos esprits, parce qu'on va passer à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve très mythique de Fall Guys est la ruée vers les portes. Certaines portes sont cassables car il s'agit seulement d'une couche de polystyrène, mais d'autres ont des renforts en bois qui rendent le passage impossible. Seuls les 23 premiers candidats qui arriveront à la fin du parcours seront qualifiés pour la suite. Les autres seront éliminés. Les gars, pour cette épreuve, j'ai une question. Qui a peur? Oh, il y a une petite main levée là-bas. C'est comment? Numéro 60, là. T'étais déter tout à l'heure. Là, je peux que compter sur la chance, là. Mon cardio, il est mort, là. Bah, en vrai, frère, là, c'est une épreuve de chance, hein. Sachez que c'est littéralement impossible de savoir quelles sont les bonnes portes. Sur cette épreuve, je veux voir des guerriers. Ouais. Bon, toi, tu le sens comment? En fait, je sais pas, parce que c'est de la chance, mais... T'as beau être athlétique, si tu vas pas sur la bonne porte... T'as un désavantage de fou. Ouais, c'est bon. La numéro 10, tu représentes les filles. Hein. T'inquiète. Mais attends, mais toi, frère, t'es en vacances. C'est quoi cette chemise? On a dit coloré. Ouais, mais là, t'es... D'ailleurs, il y a personne qui... Ouais, pas... on devrait éliminer ceux qui n'ont pas suivi le règlement déjà. Ouais, j'avoue, numéro 23, frérot. Eh ben, les amis, je vous souhaite tous bonne chance. Je vais me mettre en place et je vais lancer le décompte. Bonne chance à tous. À mon go. 3, 2, 1, c'est parti! Oh là 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 là! Les gars, on détente! Ouah, frère, ça défonce toutes les portes! Mais c'est des malades! C'est bon! Putain, wesh! Oh la vache! Mais gros! Oh la vache! Oh. Oh. Ouais, je me prends un cul dans la tronche. On peut pas, on peut pas. Attention sur la descente. Ouah, c'est des malades. Bien joué, qualifié. Oh, Domingo. Oh, bien wesh, les gars. Oh, le numéro 5. Ah, les couilles. Bien wesh, frérot. Oh là 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 là. Eh, mais c'est des malades. Allez David, c'était un chantier pas possible. Mais je m'attendais pas à ce que ça parte en couille comme ça. Je crois qu'ils ont même réussi à détruire les portes en bois. Vous la passez ensemble? Ils ont même travaillé la fin à deux. Bon, ma strat, c'était le suivre. En vrai, ça servait à rien de... Ouais. Et frère, je me suis pris un coup de poing en les couilles. Mais d'en bas, genre, c'est venu comme ça, en remontant. Est-ce qu'on peut se faire un bilan du chantier? C'est un champ de bataille! Waouh, waouh, waouh! Il y a eu des dégâts, frérot. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte qu'à la base, il y avait des portes partout. Hein. Mais ça, dites-vous que c'est une vraie porte, hein! C'est du bois derrière!
Il y a une planche de bois là. Normalement, cette porte, ils étaient pas censés la soulever, hein. Mais t'es mal, la porte, elle est en Y. Mais qu'est-ce que... Mais what the fuck? Mais les gars, il y a même plus de porte. Attends, mais je vais tester. On va voir si la porte est solide ou si les abonnés sont juste trop chauds. Ok, on va aller voir le classement, les gars. Je pense qu'on peut encore applaudir le numéro 24. Mais frérot, c'était quoi la strat? Tout droit. Tout droit, porte en bois, porte pas en bois, tout droit. Pas de question. Deux fois premier. Toi, je pense que tu vas aller loin. Frérot, bien joué. Deuxième, t'étais combien tout à l'heure? J'étais cinquième. Waouh, ok, on a... Oh, ouais, ok, là, il y a deux monstres. Et surtout, il y a un troisième monstre. C'est Dinor, frérot. Le numéro 51. Frère, troisième. J'étais dernier de base, allez, d'avant. Mais j'avoue, tu vois, celle d'avant, t'as été dernier, t'as pris un petit coup de pression, mais le destin, il t'a dit, Dinor, faut qu'il reste dans l'aventure, parce que je pense que tu vas aller loin. Domingo, monstrueux, encore une très bonne place. Numéro 8, bien joué, frérot. Merci. T'étais combien tout à l'heure? 18, je crois. Okay. Derrière Domingo, ouais, toujours on est ensemble. Ah ouais? Ouais, on s'entend pas. Ah ouais, ok. Il y a un petit duo, là, qui se forme. Putain, numéro 4, toi, t'es chaud, hein. Depuis le début, tu m'as dit, moi, je suis là, t'es encore là. Moi, je suis là. Petite démonstration. Je rigole, non, je rigole. Frérot, toi, t'es pas tellement en vacances, hein? Si, tranquille. Ouais, non, franchement, bien wesh, bien wesh. 13e, mon gars, bien joué. Tu restes dans l'aventure, 14e, 19e, tu vois? Tu vois, frérot? J'ai cru en moi. Tu l'as fait, finalement. Tu peux filer la crête et la furée. 21e, bien wesh, mon gars. Plus petit short, mais ouais. Attends, mais qu'est-ce qui... Bah... Ah oui, on voit son tête. Oui, bah... Ici, où ça? Ah waouh! Attends, mais comment ton t-shirt il a pris aussi cher? Bah, je sais pas. Et du coup, 23ème frérot. Ah ouais, on est quand là? Sache que t'es le dernier à te qualifier du coup. Timoun! Aïe 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 aïe! Mais c'est le jeu, c'est le jeu! David, non! On perd Timoun et David! Et merci d'être venu, merci d'avoir participé. Ouais, c'est comme ça. Je te faisais confiance. Tu devais représenter la team. Ouais, ça s'est passé, hein, mais bon. Bien joué quand même, les frérots. De toute façon, vous restez là et tout, on passe quand même un bon moment ensemble. J'espère que vous êtes prêts. On peut partir tout de suite pour la troisième épreuve. Ouais. Pourquoi vous criez, vous? La troisième épreuve est l'attaque sur piste. Les 12 premiers candidats qui arriveront à traverser les différents obstacles présents sur le parcours seront qualifiés pour l'avant-dernière épreuve. Ils sont 23 et à la fin de cette épreuve, il n'y en aura plus que 12. C'est trop marrant. Les gars, petite info très importante. Je sais que c'est Fall Guys, vous voulez gagner, c'est la course, machin, il y a un cash prize, tout ce que vous voulez. Mais je compte sur vous, faites toujours attention à vous, etc. Faut pas qu'il y ait de blessés. Comme à chaque fois que le meilleur gagne, bah d'ailleurs je vais aller le voir le meilleur, hein, parce qu'on le connaît maintenant. Numéro 24, j'ai une question importante. Imagine, tu gagnes les 10 000 euros. Tu comptes faire quoi avec? Est-ce que tu sais? Je sais pas, je pense pas acheter une voiture ou un voyage, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Ok, incroyable. Il y a des projets, il y a des ambitions. Si t'es premier encore à cette épreuve, c'est trop. La caméra, les frères, c'est pas sur le torse qu'il faut lui mettre, c'est dans le dos. Il filme ses adversaires. Petite punchline pour les autres. Je vais aller me mettre en place. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes prêts? 3! Il est important, les gars. Wesh. Ah ouais, fin de parcours, là. La vie de ma mère, le numéro 24, toujours premier. Ok, ça passe sur les boules. Attention, si ça tombe, il faut tout recommencer. Oh, il est chaud. Et de tirer ma jambe, wesh, c'est de ouf. Le numéro 24, il est toujours là. Il est passé. Mais c'est quoi ce monstre? Le numéro 24, il va déjà arriver. Et pour l'instant, c'est le seul à être passé cette première épreuve. Oh, on a quelqu'un qui passe! Le numéro 11 avec sa petite chemise d'été tranquillou. Ouais, 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 ouais.
Cours ! C'est jamais fini ! Allez les gars ! C'est pas terminé les frères ! Et c'est tellement dur les gars, c'est tellement physique cette épreuve ! Allez les frères ! On se donne ! Bon, la GoPro elle filme là ? Merde. Michou, je t'aime. Il y a tellement une avance qui s'est créée là, parce qu'en fait c'est dur hein, mine de rien les trucs. Sa mère la pute. Oh là là, ça essaye de doubler. Ça essaye de doubler, c'est magnifique. Et du coup, on a le 10e, 11e. Il n'y a plus qu'une place. Il n'y a plus qu'une place. Il n'y a plus qu'une place. Allez. 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 Oh là là, la chute. Oh, le dépassement. Mais attendez, je rêve là, c'est les perdants qui encouragent. Allez, dis-le ! Les perdants, ils encouragent. Mais c'est un malade, lui. Mais hey, lui, c'est un malade. Oh, Domingo ! Domingo ! Je le fais avec toi ! Ouais ! Allez, mon gars ! C'est l'orage final ! Allez, frérot! Ah. Oh, le monstre! Par contre, je vais péter un plomb. J'aimerais qu'on applaudisse, qu'on fasse un max de bruit pour notre frérot, là! Mais c'est pas possible! Trois fois d'affilée premier, mais... Je vais péter un plomb! Là, je... Ma mère, comment tu fais? Pas, hein. C'est intuitif, hein. J'ai tout droit. C'est que ça la stratégie. Je te jure. Tout droit. En fait, je me disais dans les boules, je me suis dit, je pense que si tu les passes debout, c'est mort. Et le pire, c'est que dans les boules, toi, t'as doublé quelqu'un. Il y avait un mec devant toi. Il est tombé. Et il est tombé. Le numéro 23. Ah là là, le numéro 23. Mais il était debout, il est tombé. T'étais premier aux boules. Et au final, t'es tombé. Et le numéro 24 qui passe devant et qui termine premier encore une fois cette course. Anthony, t'es vraiment un crack. Merci, mec. Putain. Mon gars, toi, t'es numéro 12, c'est ça? Ouais, c'est ça. Frérot, toi, je t'ai sous-estimé. Je t'ai vu avec ta petite chemise, je me suis dit, bah, il a bu. J'ai commencé tranquille. Et en fait, je t'ai sous-estimé. Et en même temps, je t'ai sous-estimé. En fait, tous les mecs que j'ai sous-estimés, ils sont là. Attends, la vie de ta mère, c'est toi le 12e. Là, mais oui, mais c'est vrai que tu nous as fait une course de malade. J'ai fait une remontée. Non, mais la 12e place, les frères, il y a eu un... Là, il y a eu un battle. Mon gars, tu dois tellement t'en vouloir. Non, bah non, et à la fois, que t'as respect, tellement... Frère, t'as respect. Tout donné. J'ai donné, j'avais plus de canne, je suis tombé, il est passé devant un... Tu t'es donné jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que tu tombes. Merci d'avoir participé. Moi, maillot du PSG, moi. Je te soutiens, OK. Et numéro 24 aussi, et tout le monde. Et numéro ouais, du... en vrai, là, tout le monde mérite, là. Tout là, monde ça y est, tout le monde mérite, les frères. Eh ben, les gars, ça va être l'heure de passer à la 4e épreuve. Suivez-moi, les gars, c'est là-bas. L'avant-dernière épreuve s'appelle le Club des Sauts, qu'on peut familièrement appeler la Toupie des Enfers. L'objectif est de simplement éviter les bras rotatifs en sautant ou en se baissant. Seulement 4 candidats pourront gagner leur place en finale, alors bonne chance à tous. Les gars, est-ce que vous êtes chauds? C'est la demi-finale, les frères! La demi-finale! Vous sentez comment, là? Chaud, hein? Chaud. On lâche chaud rien. Toujours? Jusqu'au chaud. Bout. Cette avant-dernière épreuve, la demi-finale, c'est la Toupie des Enfers. C'est que là, vous jouez votre place en finale. Vous êtes 12. À la fin de cette épreuve, vous serez plus que 4. Denis Brognard. Denis Brognard, t'as vu ou pas? Je kiffe trop. Hey, j'aime trop faire ça. Mais là, les frères,
Il y en a 8 qui vont nous quitter ici. En plus, il y a tous vos anciens coéquipiers. Ils sont là, frérot. C'est les spectateurs. Ils vont pouvoir vous encourager. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. Je vous laisse monter. Oh là 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 là. Vous avez un dernier truc à dire avant que l'épreuve commence? Bonne chance, hein. Bonne chance. Oh, c'est beau, ça s'encourage. C'est ça qu'on aime. Je lance la machine, c'est parti. Au début, je vais être gentil. Oh, les gars, ouais. Vous bougerez, vous êtes déjà en galère, là. Ok, c'est un petit test. Ça se passe bien, ils peuvent sortir du rond blanc, ça fait rien. Oh, ouais. Hey, ça a pas assumé le changement de côté, là. Ok. Oh, c'était si rapide. Mais oui, mais c'est toi, là, aussi. Là, j'ai rien fait, le changement de côté, il était là-bas. Ouais, j'ai stressé, c'est tout. On peut l'applaudir quand même. Je l'aimais bien, en plus. Je l'aimais bien. C'est limite de la méchanceté, ça. Je relance la machine. Accélération! Ah, ça commence à enchaîner là! Voilà, j'aime bien! Oh! Oh, il a dansé le poteau! Oh là 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 là! Oh là là là! Oh là, ça devient compliqué! Ah! Oh, il y a une chute! Aïe! Frérot! Tant pis, c'est pas grave! Putain, viens, wesh quand même! Ah là, j'ai fait une belle balayette en fait. Ouais, ah, là y'a rien à dire. Non, là, je peux pas dire que je suis pas tombé là. Si tu veux, tu peux insulter la machine. Non, t'inquiète. C'est reparti. Oh là 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 là. Hey, je m'amuse trop. Je contrôle la machine. Y'a rien à dire. C'est propre. Oh. Aïe, Ken. Ok, c'est reparti. Oh là 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 là. À chaque fois, ça surprend quand je fais ça. Hein. Eh les gars, là, la machine, elle est au max. Allez, 24. Ah, ça va plus tenir debout. Je veux que ça tombe. Je mets la machine en mode auto. Je vais essayer pour que vous rendiez compte de la difficulté. Je vous rejoins, les frères. Ouais. Ouais, messieurs. Je vous rejoins. Ouais. Mais hey, en vrai, c'est trop amusant, j'adore. Hey, vous devez être mort. Oh la bidouane, je suis tombé de la pire des manières. Je me suis jeté. Oh, il y a une chute, pardon, j'ai pas vu. On va rajouter une petite règle. À partir de maintenant, je ne veux plus voir une main par terre. C'est compté comme une chute. Faut corser les choses parce que vous êtes chaud, en vrai. Je vous dis la vérité. Ok, je renvoie doucement, les frères. Doucement, mais sûrement. Là, ça va plus être les mêmes sauts. Les mains, ça fait bien attention. Il n'y a pas de main qui touche par terre. C'est beau. C'est... Oh! Oh non! Mais non! Oh, mais c'est un acteur, là. Allez, on renvoie les frères. À partir de maintenant, c'est de l'endurance. À partir de maintenant, c'est un combat. Putain, j'ai des crampes. Oh! Il y a des crampes, là? Ah, oh. J'ai mis ma main. C'est fair play. Là, il y en a qu'un qui va nous quitter. Hein. Ok, ça renvoie. Je veux pas de main par terre. Oh, le numéro 24, c'était chaud. Eh, vous savez quoi? Je prends pas la responsabilité d'éliminer le dernier. Je mets la machine en auto. J'arrête. Ah, t'es tombé? Ah, mon ref! Non! Les frères! La dernière chute! Main par terre. Ah, putain. T'as fait un beau parcours et une très belle épreuve. Bien wesh, mon gars. Putain. Aïe. Il a été très fair play. J'avais même pas vu la main par terre. Et du coup, les 4 qualifiés, là. T'as pas été gentil avec lui. Ah bah attends, c'est marrant. Où, c'est on, marrant. On veut te voir maintenant, nous, on va piloter. Ouais. autant de temps. Non, j'ai été gentil, en vrai. Non, ça va, j'avoue. Mais je vais de la merveille jusqu'ici, il aurait fini. Oh. Quoi? Ah, toi, t'es là pour nous faire. Nous, on va préparer la petite finale. Avant ça, on va vous faire chacun des petites interviews parce qu'on veut en apprendre plus sur vous, les gars. Vous êtes finalistes. Et en tout cas, bravo. Rien que d'être là, c'est monstrueux. Bravo, les frères. On s'approche de la finale.
Niveau sport, musculation depuis 3 ans et demi. Avant, je faisais du basket. Je me suis blessé au genou, du coup j'ai arrêté. Et sinon maintenant, je fais de la muscu. Physiquement, je me sens bien. Je suis genre un serpent, tu vois, je suis vif, je bondis partout. Je fais de l'athlétisme à bon niveau. T'es chaud quand même. Ça va, je me débrouille. Je pense qu'on va bien se chamailler, ça va être sympa. On va voir ça après. On sait qu'il y en a un, il est très très chaud. Le numéro 24, c'est là. Ouais, ils sont chauds. Bon, je pense le numéro 24, tout le monde le redoute. Et t'es au courant qu'il est favori? Ouais, j'ai juste gagné toutes les épreuves, quoi. T'as juste gagné toutes les épreuves, alors qu'ils étaient 50. Ah, si je gagne 10 000 euros, franchement, déjà, c'est une belle somme. Déjà, il faut te remercier. Et je pense que je partagerai avec ma famille un petit peu, quand même. Je vais les mettre de côté, ça va m'aider pour démarrer ma vie. Bon, acheter un logement, on verra. Alors, la première chose, je t'achète un nouveau outfit. C'est gentil, mon ref. T'es le premier à y penser. Je pense que 10 000 euros... Là, ma sœur, elle vient de passer le permis. Elle va récupérer ma voiture. Je vais m'en acheter une plus grosse, je pense. Finale, nous voici à la dernière épreuve, l'attrape-queue. J'ai placé une queue pile au centre de la map. L'objectif pour les 4 finalistes est d'aller attraper cette queue. C'est seulement à la fin des 3 minutes que celui qui aura réussi à garder la queue sur lui gagnera l'épreuve. Alors, qui de Hugo, Enzo, Théo ou Anthony gagnera le chèque des 10 000 euros? Nous allons le découvrir dans un instant. C'est la finale, les frères. Depuis ce matin, on l'attend. Derrière, vous avez un terrain de jeu pour la finale. J'espère que vous êtes prêts. Vous sentez comment, là? Ça va. Concentré. Concentré, hein, en vrai. Ouais, je vous sens tous concentrés. Face à moi, là, j'ai pas 4 candidats, j'ai pas 4 abonnés. J'ai 4 guerriers, les gars. Quelqu'un a un truc à dire avant la finale? Bonne chance, les mecs. Hein. Ouais, bon courage. Ouais. Bon courage à nous quatre. Les gars, je pense qu'on peut les encourager. Mine de rien, les gars, c'est tous vos camarades, wesh. Ouais, ils sont bons. En vrai, c'est incroyable. Vous avez commencé l'aventure avec eux, hein? Ouais, vraiment. Et là, ils vous encouragent. Eh ben, bonne chance. Merci. Merci. Je les vois tous. Ils sont super concentrés. C'est insane, en vrai. Hey, je pensais pas un jour vivre ça avec un Paul Guy dans la vraie vie. À mon go! Je lance le chrono de 3 minutes. 3, 2, 1, go! Le chronomètre est lancé. Oh, c'est parti! C'est parti! Et notre poteau t-shirt PSG, il a déjà la queue. Il a déjà la queue, 2 minutes 50. Ça va aller très vite. Maintenant, quelles sont les stratégies? Est-ce que la stratégie, ça va être de s'économiser jusqu'à les 30 dernières secondes en espérant choper la queue dans les 30 dernières secondes? Est-ce que la stratégie, c'est de se donner à fond et d'essayer de finir toute l'aventure avec la queue? En tout cas, pour l'instant, notre poteau Enzo, il a toujours la queue depuis le début. Il a toujours la queue. Il vous reste 2 minutes 30. Oh là là, ils sont chauds. Oh, la queue a été prise. La queue a été prise. Ah, il l'a reprise. Oh, il l'a reprise. Oh là là, Enzo. Oh, ça se voit. Oh, le plongeon. Et il l'a eu. Incroyable, il l'a eu. Ok, ça fait attention, il a dû faire. Oh là là, mais attends, mais là, c'est un combat de catch. On assiste à un véritable combat de catch. Et il l'a récupéré. Oh, il est chaud, il est chaud. Oh là là, mais ça glisse. Ça glisse. Mais on voit que ça se donne pas à fond encore. Il vous reste 2 minutes. Putain, les gars, tous jouent sur 3 minutes. Oh là là là, et se protège bien. Oh, ça a été pris. Ok, ça a été pris. Ça a été pris par le numéro 24, les gars. Anthony, il est très très chaud. Hein. Il nous a dit athlète national. Je vous avoue qu'Anthony, s'il gagne, il le mérite, frérot. Il a gagné toutes les épreuves. Maintenant, le mec au t-shirt orange, moi, il a quand même dit dans l'interview que s'il gagnait les 10 000 euros, il me repayait un outfit. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien qu'il gagne. Parce que j'avoue qu'on m'a bien niqué mon outfit. Oh là 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 là, ça se bat, frérot, ça se bat et ça se donne. Ok, ça se calme un petit peu. C'est vrai qu'il reste 1 minute, mine de rien, depuis tout à l'heure, il court, il s'épuise, alors qu'il reste encore 1 minute et c'est la dernière seconde qui joue au final. Tu peux avoir la queue tout le long, c'est la dernière seconde qui compte. Oh là là, ça a été repris.
Et vous reste 1 minute. 1 minute. Et c'est le numéro 24 qui l'a. 50 secondes, les gars. C'est l'athlète qui l'a, le numéro 24. Oh là là, il court. Et là, il court. Et là, il court. 45 secondes. Et là, le stress qui... Oh, il escalade. Il est... Oh, elle esquive. Ah non, ça a été pris. Ça a été pris. Oh, il est chaud. Il est en haut. 30 secondes. C'est les 30 dernières secondes. Putain, il est tout seul tout en haut. La scène, elle est incroyable. Oh, oh, la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça se bat. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, terminé. Il est coupé en deux. Attends, mais quoi? Attends, 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 mais qu'est-ce qui... Non, les frères, il s'est passé quoi? Et je vais péter un plomb. Attendez, mais les gars, on m'explique pourquoi il y a deux queues? On l'a coupé en deux. En fait, il avait dans la main. Je l'ai pris. Et en même temps, il a forcé, du coup. Waouh, 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 waouh. Là, je dois vous avouer que s'il y a un truc auquel je m'attendais pas, c'est qu'à la fin, il y ait deux queues. Eh, déjà, je pense que vous pouvez tous vous applaudir. Les gars! Un maximum d'applaudissements. Enfin, il a lancé une hola. Hein. Ça, c'est un petit flex. Hein. Il y a tout le monde qui vient. Incroyable. Ouais, j'attendais. Les gars, ce qui s'est passé, je pense que personne s'y attendait. La queue a été coupée en deux à la fin. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Chacun voulait un bout et ouais, voilà. C'est passé. En fait, on est sauté dessus, on était quatre là comme ouais, ça et il y en a deux qui sont sortis. De toute façon, j'ai vu, et dès que j'ai dit il reste 15 secondes, ah, bah, c'est là, vous avez tous changé de comportement. C'est passé en mode, tu sais, au début ça se tâtait un peu. Ouais. Et après, c'est passé en mode sérieux. Quoi qu'il arrive, vous avez tous les deux fait un parcours incroyable. Toi, t'as été tout le temps premier. Toi, toutes les épreuves, frérot, t'as fait de mieux en mieux, 12e, 8e, machin, t'as été monstrueux. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez été très chaud. Maintenant, je pense que c'est à vous de choisir. Vous avez tous les deux une queue. Mais en vrai, est-ce que vous voulez partager, partir chacun avec 5000 euros, ou est-ce que vous voulez remettre le prix en jeu et à la limite refaire un 1v1, une minute? Hein, gars, on a consulté, on est content d'avoir partagé voilà, l'expérience, on est mort. Et on va partager 50-50. Bravo à tous les participants. Bravo surtout aux 4 finalistes, les 2 vainqueurs. Bravo aussi à toute l'équipe qui est derrière pour cette vidéo. Oh là 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 là. Et je peux vous remettre le chèque. Je peux vous... Ah, attendez, je signe d'abord. Ouais, mais attends, parce que là, c'est pas clair. Hein. Chèque de 10 000 euros à 2 personnes. C'est pas 10 000 euros chacun, hein, on est d'accord. On a un accord verbal. Hein. Je vous remets tous les deux ce chèque de 10 000 euros offert à Enzo et Théo. On peut aussi applaudir et remercier toute l'équipe qui est derrière, qui produit cette vidéo. Parce que la vidéo va être monstrueuse, les gars, grâce à ça. Que ça soit, frère, les cadreurs, réalisateurs, la sécurité, tout machin. Tout le monde a charbonné sur cette vidéo. Et j'espère aussi que vous, vous l'avez kiffé. Vous avez kiffé la suite jusqu'à la fin. Vous avez passé des bons moments avec nous. Franchement, les gars, vous avez tous été chambés. C'était incroyable. Merci à tous d'être venus. Vous êtes déplacés et tout. C'était incroyable. Non, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Oh, non, ça y est, ça y est. Let's go. Les gars. Je vous fais tous des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Ciao, Lick. Vous êtes des boss. Oh là là. Yo Michou, j'espère que tu vas bien. Je voulais encore te remercier pour cette journée de dingue. Franchement, je suis super content. Je réalise toujours toi. Le chèque est toujours là. Je me suis acheté la petite PS5. Vraiment super content. Donc si tu veux venir à la maison faire un petit FIFA pour que je t'éclate, c'est avec plaisir. Et encore merci Michou. 5000 euros, c'est énorme. Qu'est-ce que je vais en faire? Bah autant te dire que c'est 5000 euros. Et bah, ils tombent à pic. Je suis en train de monter ma boîte de design. Ces 5000 euros vont me permettre de m'acheter une découpeuse laser. Aussi, mon Michou, je t'ai fait une promesse. Sache que ta tenue, elle est commandée et elle va bientôt arriver chez toi. Je vais te remercier encore 1000 fois pour cette expérience. Je t'embrasse bien fort. Continue comme ça. Ne change surtout pas et t'es un boss.